la commémoration du 8 mai 1945 est le 25 Iyar dans le calendrier hébraïque. Je m'associe bien évidemment à la présence de l'ensemble des élus aujourd'hui. Je me permets d'ajouter la présence de l'aumônier général israélite aux armées, rabbin Joël Jonas, également de mon ami l'imam Hassan Chalgoumi. Elie Buzyn a une histoire exceptionnelle. Tu as été déporté effectivement dans les camps de concentration Auschwitz, Birkenau et puis Buchenwald. Se battre, avancer, travailler, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as réussi à transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants. Et donc on est particulièrement honoré de ta présence et je voulais t'en remercier très sincèrement. Monsieur Jean-Michel Genestier, maire du Rhin-Sy. Le devoir de mémoire est indispensable, mais surtout que les plus jeunes arrivent à se souvenir de certaines choses qu'ils n'ont pas vécues. Et si la France doit être encore plus grande à travers les temps futurs, elle doit se replonger dans ses racines. Le docteur Elie Buzyn. Je me sens en devoir de m'exprimer pour que vous deviez à votre tour le témoin que je suis. Hitler est arrivé au pouvoir après des élections tout à fait dites démocratiques. Il a été élu. Il n'a pas pris le pouvoir par un coup. Présence de Isa Tratab, qui est président d'une fondation, la Syrie pour tous. Je ne peux pas ne pas mentionner les massacres qui ont lieu en Syrie aujourd'hui, auxquels on doit penser dans ces moments aussi. Construire une vie, c'est être capable de n'être porteur d'aucune amertume, d'aucune violence, d'aucune volonté de vengeance contre le genre humain. Mais cette ambition que le peuple d'Israël a, d'être capable de porter, quelle que soit l'adversité, d'être capable de porter ses valeurs encore et toujours, c'est le docteur Buzyn qui nous en donne l'exemple vivant. Je cite la bénédiction pour la République française. Bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Merci au rabbin Prosper Abenaïm, rabbin de la Courneuve. Merci au grand rabbin Claude Brami. Merci, monsieur le grand rabbin, pour tout ce que vous avez fait pour cette belle communauté.